Cette EP en fait avait déjà été lancée en fin 2019, début 2020. Donc il y avait déjà 5 morceaux qui existaient, un peu tous composés à la même période, donc il y avait cette cohérence-là. Je sortais de 2 années un peu compliquées avec le Covid comme tout le monde, à essayer de trouver des moyens d'exister malgré tout. Donc ce que je voulais, c'était pouvoir sortir de ce marasme de ces 2 années. Donc voilà, je voulais un nouvel élan, et pour ce nouvel élan, je voulais quelque chose de pas trop contraignant et en tout cas d'assez rapide à mettre en place. Au courant de l'année 2021, j'ai participé à l'émission Le Stock de Live organisée par l'équipe du Fernando Rock Show. Le batteur Guillaume venait d'enregistrer au studio de l'Orangerie, et quand je lui parlais de ce projet d'enregistrer mon EP, il m'a dit bah, tu devrais aller voir les gars là-bas, ils sont cool, ils bossent bien. Je suis allé les rencontrer, j'ai découvert le lieu, et il se trouve que ça correspondait pas mal à ce que je souhaitais, parce que je suis un peu un vieux de la vieille, et pour moi rentrer en studio en fait c'est s'immerger et s'isoler, et ce lieu permet ça. Peut-être que je peux laisser mourir là. C'est pas mal ça, cette dernière note. Je voulais un espèce de truc qui s'apaise. Ouais, on peut se refaire juste le truc de la fin, peut-être. Ouais. Bon, allez, on essaye. Il y avait ce truc-là, un peu de rentrer dans une espèce de maison où tout allait être branché, on allait pouvoir avoir le temps d'enregistrer, de tester, d'essayer des choses, en fait. Je l'écoute comme ça, j'ai pas forcément envie de le doubler, je crois. Tu vois, faire un truc genre juste 2 grattes couplets. Ouais. Mais en tout cas, il était pensé vraiment très simple, 2 guitares qui font chacun leur truc. Gauche-droite, ouais. Ouais. En tant que technicien, je suis toujours ravi de pouvoir faire ça. C'est vrai que je préfère avoir une part un peu plus créative. C'est plus enrichissant d'avoir le luxe d'essayer des choses. Et plus stimulant de pouvoir chercher des associations dont on n'a pas l'habitude. Je vois bien 3 étages du coup, entre couplet, pré-refrain et refrain. Ouais, très bien. Peut-être que pour les refrains, à voir si on peut pas rajouter une gratte qui fait juste des power chords à la queue, tu vois. Ouais. C'est ce qui fait aussi la particularité de la couleur qu'on peut donner à un disque et de lui apporter une identité qui soit la plus forte et la plus personnelle possible. J'aime bien hein, quand ça fait pis, pis, pis. Pour cette EP, en fait, ce que je voulais, c'était retrouver un peu cette sensation de groupe, de travail en tout cas, en collaboration avec des gens. 1, couplet, 4, refrain, 2, couplet 2, 4, refrain, 3, break, et 4, fin. Ok, ouais. Les refrains, donc, quoi. Voilà, okay. qu'on sent des variations, quoi, que les refrains, ça... Yes. Je travaille avec le même guitariste et la même bassiste depuis quelques années maintenant. C'est quoi le motif, Jocelyn? À la basse, il y a Céline Vanier. Et à la guitare, Quentin Bénizot. Pour la batterie, en fait, j'ai intégré Camille Bigeot. Avec les guitares électriques et tout, là t'enclenches la pédale. Ça a été plutôt fluide, plutôt rapide, et c'était cool de travailler avec eux sur cette EP. Ce que je voulais aussi changer avec cette EP, c'était créer une ambiance de travail différente de celle que j'avais mise en place pour l'album.
Je l'avais enregistré seul, j'avais tout fait, sauf les batteries que j'avais programmées. Il y avait pas mal de sons électroniques, de synthés, de choses comme ça. Et ça, je voulais pas reproduire ça. Je voulais quelque chose d'assez naturel, entre guillemets. Je voulais des vrais instruments. À ce moment-là, ouais. le penser Brian May, quoi. Peut-être booster, si tu mets la fuzz, peut-être du coup rajouter un petit creux, quoi. Non, oh. Pas à ce moment-là. Mais... C'est vraiment Jocelyn qui est venu avec un constat, je pense, qu'il a fait dans le rock moderne de façon générale, c'est qu'il trouvait qu'il y avait une uniformisation du son qui lui correspondait pas tellement avec l'idée qu'il voulait de son disque. Et donc c'est vrai qu'il est arrivé avec l'ambition d'avoir à la fois un disque moderne et à la fois de pas forcément utiliser tous les outils numériques qu'on utilise aujourd'hui dans son style de musique. Un peu sur une vision un peu plus vintage qu'on aurait eu de traiter le son, je pense. Et moi, ma façon de travailler, elle est plus dans la veine de l'ambition qu'il avait, lui, d'utiliser les sons acoustiques des instruments et de vraiment partir de ça. T'as tué ça, ouais. Ce qui était bien avec Clément, c'est que assez vite, on s'est entendu en fait sur la direction qu'allait prendre l'EP d'un point de vue sonore. On avait cette envie tous les deux de travailler des sons bruts, de pas spécialement les stéréotyper ou les faire correspondre à un genre particulier. C'était plutôt d'essayer de trouver en fait le mélange et le traitement qui allait être le plus approprié au morceau. C'est pas mal. En fait, c'est bien de le faire parce que les compresseurs à lampe aussi, ils ont un super son, mais ils ont peut-être tendance à adoucir un poil ça. Ouais. C'est bien. Tout ce qu'il a mis en place techniquement pour être au plus près de mes envies artistiques, comme par exemple d'avoir installé tous les amplis en même temps, en fait, ça m'a vraiment libéré de la pression du temps. Ça a fait en sorte que cette session d'enregistrement soit aussi un moment de création et ça m'a permis de me concentrer vraiment sur la réalisation. C'est sûr qu'ici, on a la chance d'avoir pas mal de backline, d'amplis, de têtes, de baffles différents. Et on s'est dit qu'on allait tout mettre à disposition et après ne garder que ce qui allait le mieux marcher. Et elle fait sur la croche d'avant, comme ça. Ok. Comme le lieu le permet, autant le faire, quoi. Et moi, c'est vraiment là où j'ai l'impression que mon rôle se situe, c'est d'arriver à capter au mieux ce que veut l'artiste et à le traduire en termes techniques avec ce que je connais du lieu dans lequel on est. Là, c'est les frères refrains. Je me dis qu'avec la Jazz Master, moi, je pourrais doubler en... surtout sur le si bémol, là. Comme les guitares sont assez importantes dans ce projet-là, on voulait bien se concentrer à pouvoir avoir le maximum de possibilités et pas passer à côté d'un truc juste parce qu'on l'aurait pas installé. On est obligé pour ça d'avoir le temps qu'il faut. Et c'est vrai que c'est pas sur tous les projets que les artistes prennent le temps de faire ça. Et ça, c'est vrai que c'était très très confortable. Ouais. Non, mais écoute, c'est super, hein. Voilà, fin de tournage pour Gibson. J'aime rajouter des instruments supplémentaires du quatuor rock traditionnel. Et j'ai pris un quatuor à cordes. Parce que j'en avais envie. Tout simplement. Pour enregistrer ce quatuor, en fait, l'idée c'était de faire ça dans une belle pièce. Il se trouve que Timothée Gumi, avec qui je travaille pour le live, en fait, bosse à Midi Live. Et j'ai pu avoir l'occasion d'enregistrer ce quatuor dans le studio A. Midi Live, c'est un très beau studio, c'est les anciens studios Vogue, donc voilà, il y a une aura assez cool avec ce studio. Mais le but recherché était surtout en fait d'avoir la qualité acoustique de la grande pièce. C'était aussi un moyen d'accueillir les musiciens de façon un peu fastueuse, pour leur faire plaisir.
Je trouvais ça intéressant, en fait. J'avais beaucoup aimé la collaboration avec Elton Majolari sur le premier album, donc il y avait un morceau bonus que j'avais enregistré avec lui. Déjà, c'était la réalisation d'un rêve, et surtout, ça m'a confirmé mon envie d'un quatuor à cordes sur ce nouvel EP. Pensez que c'est un morceau très triste. Vous jouez comme vous voulez, mais dans votre cœur, vous pleurez. Même si je l'ai quand même aiguillé sur certaines choses, il a été très libre, notamment sur le morceau Dans la splendeur, où là, je lui ai dit voilà. L'ossature est comme ça, il y a ça à la batterie et ça à la guitare, mais par contre, je veux un quatuor à cordes sur tout le morceau et c'est lui qui a décidé en fait à quel moment il allait placer ça, quoi. De toute façon, je savais qu'il allait comprendre les intentions du morceau et que tout ce qu'il pouvait rajouter en plus ne dénoterait pas en fait. Fantastique. À la base, je lui avais juste proposé d'arranger des cordes sur deux morceaux et en fait, il m'a proposé d'arranger sur quatre. Donc j'ai pris, sans aucun scrupule. Je suis vraiment content qu'il ait proposé ça parce que ça contribue à l'identité musicale de l'EP. En fait, c'est après coup que je me suis rendu compte que c'était ambitieux et que j'avais même pas osé imaginer avoir ça, surtout dans ce contexte d'autoproduction. Je profite de rien, je suis lessivé. Mon vide crânien, j'ai cultivé. Destin d'épave. Bah tant pis, le dub, tout de suite. Tu vas faire exactement ça, tu vas chanter sur ta propre voix, même interprétation, même rythme, pareil. Juste pour voir comment ça sonne. Comme il y a eu une première impulsion pour cette EP, des premiers enregistrements au début 2020, j'avais peur de ne pas avoir assez de recul et de me lasser aussi un peu de ces morceaux. Donc contrairement à d'habitude, là j'ai demandé en fait une collaboration extérieure, donc avec Bertrand, pour tout ce qui était voix et harmonie de voix. Est-ce que tu aimes ta voix au naturel, c'est-à-dire avec la lead telle qu'on l'entendait jusqu'à maintenant, ou alors tu l'entends avec un renfort, comme par exemple là on peut l'entendre avec un doublage derrière? Pas du tout l'habitude de l'entendre avec un doublage, mais il y a un truc qui est quand même qui reste naturel. Si ça fait penser un peu comme un single, c'est pas plus mal d'avoir quelque chose qui est ce genre d'énergie, donc moi ça me va. J'avais mes mélodies, mais par contre j'avais absolument pas réfléchi à comment j'allais harmoniser, qu'est-ce que je pouvais rajouter en fait de plus. Et donc ça, j'ai délégué à Bertrand, ce que j'avais envie d'une oreille neuve. Et là, on va faire la méga combinaison refrain. Et là, on va même prendre un triple, puisque c'est le refrain pour l'amplifier encore un peu plus. Et pareil, donc, essaye de bien matcher. Ouais. Du coup, la lead. Match la lead, s'il te plaît. La galérien, je veux pas qu'on tienne. Je sers à rien, charogne pour hyène. On est allé vers des choses que j'aurais pas faites en fait, dans la manière d'harmoniser, de choisir quelle voix, à quel moment. C'était une façon aussi de redécouvrir mes morceaux et donc c'était assez cool de travailler avec lui, c'était assez fluide. Desséché. Ah ouais, c'est cool. Je peux le faire durer jusqu'au ding. Ouais, jusqu'au moment où la basse rentre à la rigueur. Ouais. Voilà. Il y a un peu du style de Bertrand dans mes cœurs. Il y a un côté plus naturel et plus clair, plus facile à écouter. Il y a des musiques qui viennent et en fonction de ce que la musique m'inspire, il y a un titre ou il y a une idée
où il y a un thème, et à partir de ça, j'écris mes textes. Pour le premier album, j'avais l'impression de m'être caché un peu sous une poésie un peu compliquée. Ça fait des textes qui sont intéressants, mais je pense que je voulais aussi quelque chose d'un peu plus personnel, d'un peu plus direct. Là, peut-être que aussi, j'assume plus ce que je veux dire. J'assume peut-être plus aussi l'écriture en français, mais j'avais peut-être aussi juste envie de changer de style. Tu bandes sur ta Viper, chez l'extase, tu rétrogrades. Mais si je regarde ça de loin, tu gagnes. Africa Dieu, c'est un clin d'œil à... Comment il s'appelle ? Michel Sardou. Michel Sardou. Michel Sardou. Rien que le mot est rigolo. Ouais. Michel Sardou. On se serait cru au paradis. Non, sabotage. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi pour le plaisir de me contrarier. J'ai renoué avec un principe d'écriture que j'ai sur quelques chansons qui est en fait de reprendre pour moi en fait des termes et des citations d'hommes politiques ou d'écrivains, enfin peu importe, de personnalités qui disent ou écrivent des choses révoltantes. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. L'idée, c'était d'en faire une compilation et de faire un amalgame de tout ce qui a pu être dit d'horrible sur le continent africain et sur les peuples. Le colonisateur est venu. Il a pris, il s'est servi, il a pillé des ressources, des richesses qui ne lui appartenaient pas. Il a pris, et je veux dire avec respect, qu'il a aussi donné. J'ai essayé juste d'un point de vue occidental d'admettre qu'il y a un vrai sabotage, qu'il y a de vraies conséquences néfastes en fait à ce comportement qu'on pourrait croire légitime. Casse pas mal de codes en fait. Il y a vraiment une patte et un style qui lui est propre, à la fois dans la manière d'écrire les textes, d'écrire la musique, cette façon de faire des cassures, de pas suivre forcément des structures de morceaux préétablies et préconçues. C'est quelque chose qui donne à cet EP une couleur assez novatrice, moi je trouve, avec quelque chose de très intéressant dans la musique. Il y a plein d'influences qui sont pas tellement dans la musique francophone. Et à la fois, il y a cette volonté de garder quand même des textes en français. Et ouais, c'est un savant mélange. C'est rivière, quoi. Pour cet EP, je voulais que chaque titre ait son clip, mais bon, c'était pas possible. Donc il a fallu en choisir deux. Ça n'a pas été évident. Mais voilà, ça s'est orienté vers le titre Paradis et le titre Les Brumes. Les Brumes, c'est le morceau que j'ai écrit le plus vite, en 2-3 jours max. C'est un morceau qui a jailli finalement. Tout s'est fait assez spontanément, même si j'aborde un thème un peu sombre encore une fois. Mais ouais, je suis assez content de ce morceau pour ça, c'est qu'il y a un élan qui n'existait plus depuis quelques années. Pour Les Brumes, c'était une collaboration avec Cyril Paluz, avec qui j'avais déjà travaillé en fait sur un clip qui était une reprise de System of a Down avec la danseuse Audrey Joubier. Le principe était de faire des vidéoprojections sur les corps.
Donc le corps en mouvement de la danseuse, le corps de Jocelyn aussi. J'étais vraiment branché sur ce format-là à l'époque. Ensuite, on s'est lancé dans un autre projet, c'était la réalisation d'un making-of pour un enregistrement en studio d'un morceau live, « Les héros chez moi ont de l'humour ». C'était à la Tour Fine, et c'était une vidéo qui était en bonus de l'album « Sous pont Rivière Braille ». Il m'a recontacté pour qu'on puisse réaliser un clip pour son dernier projet. Donc le clip de la chanson Les Brumes. Et fin 2019, il m'a envoyé les paroles, une première maquette qu'il a enregistrée. Et moi, la première écoute, ce que j'ai ressenti, c'était une énorme mélancolie. C'est que c'était une chanson qui parlait de frustration. Mais j'ai aussi ressenti quelque chose de très positif. Et c'est ce qui me différenciait de l'idée qu'avait Jocelyn de la chanson. Lui, il avait une vision plutôt assez pessimiste. Et moi, j'avais une vision plutôt assez optimiste du morceau. Peut-être que je me concentrais plus sur la musique, qui est assez entraînante et qui met un peu de baume au cœur, qui donne envie de se battre, finalement. Pour moi, il y a quelque chose d'assez grisant dans ces parties énervées qui contrebalancent parfaitement avec les parties mélancoliques. Moi, j'ai senti que le personnage qui me parlait avait envie de se battre et avait envie d'aller de l'avant. Donc j'ai plutôt voulu que ce qu'on ressent en voyant évoluer les personnages nous fasse ressentir ce que m'avait fait ressentir le texte à la première écoute sur la maquette. Qu'on puisse y voir quelque chose d'optimiste, ça je le comprends. Justement, j'ai pas l'impression d'être pessimiste. Je suis pas enjoué, je raconte pas quelque chose de gai. Mais je pense qu'il y a le côté artiste qui est là pour confronter l'être humain à ses doutes et à ses problèmes, pour que cet être humain-là en tire des leçons. Donc si, en effet, il y a quelque chose d'optimiste, c'est ça. Si je couche sur le papier ces mots, c'est pour pouvoir au final m'en extirper. Dans les brumes, tout menace, tout écume, tout lasse. Et les ombres avant prennent toute la place. Dans les brumes, tout se perd. La mer, la brume, la guerre. Paradis arrivait juste après l'écriture d'un autre texte qui n'existe pas. Il y avait une période très sombre et j'ai fait, mais en fait, tout va bien, je vais écrire un texte joyeux. J'ai passé ma vie dans une cave. À malaxer mes burnes à la balle. Les yeux bandés. J'ai trouvé le texte catastrophique et ça m'a replongé immédiatement en fait dans cet esprit de douleur et il fallait que j'écrive un texte et j'ai fait mais vas-y, tu vas mal, juste écris que tu vas mal. En fait c'était ça la démarche de Paradis, c'était de ne pas édulcorer, d'admettre que ça faisait partie de moi. La galère, rien, je veux pas qu'on vienne. Je sais. Le clip de Paradis, je l'ai confié à Julien Metternich, que j'ai rencontré grâce au studio de l'Orangerie, parce qu'il est très étroitement lié à ce studio. Ok, là tu commences à voir la lampe, tu te redresses. J'écoute le morceau, on ne sait pas vraiment où on est, il y avait un truc comme ça dans le morceau de perte de repère. Et je lui dis voilà, je pense à un accident de voiture, espèce de mec qui erre. Pour moi, c'est vraiment ça, je pense que c'était le point de départ, c'était la perte de repère. Donc tu regardes par là et tout, tu reviens ici, et là, tout d'un coup, bam, lumière. Ouais. Même si le mec il a une seconde de retard, autant mieux, comme ça au moins on pourra le jouer, quoi, tu vois. Okay. Il est justement plus dans,
dans la mise en scène de groupes qui jouent de la musique. Voilà, la seule contrainte que je lui avais donnée, c'était moi, je veux pas ça. Donc il a accepté malgré tout, donc ça c'est chouette. Parce que là c'est vrai qu'on recule beaucoup et j'ai plus d'amorce, c'est un peu dommage. Après, ça se verra dans la nuit, je sais pas, ça sera à voir comment on éclaire, tu vois. Je commence là. Tac, tac, tac. Il n'y a pas de règle en fait. Chaque tournage est unique. L'apprentissage, il se fait en le faisant. Donc naturellement, chaque projet est une nouvelle difficulté, un nouveau challenge, parce que tu l'as jamais fait. Lui, il a marché sur la route. Donc on peut avoir un pied avec quelqu'un avec un light panel qui le suit. Il faut qu'on ait une lune en fait. Il faut qu'on ait une ambiance lumineuse, lunaire. Il y a plein de choses sur le clip de Rivière qui étaient compliquées. On était en mois de novembre, la nuit, sans électricité, avec que des lumières sur batterie. La tourne. Le comédien, donc Rivière, avait des mouvements à faire, moi j'avais des mouvements à faire, la lumière devait être calée à un certain moment, et en fait on se rend compte que pour caler un plan d'une minute trente, ça prend deux heures quoi. Théo Lumière ! Tu as voulu jeter un sort. On a réussi à garder un long plan dans le clip et on l'a fait 24 fois quoi. Ce qui est vraiment génial avec Julien et toute son équipe en fait, c'est qu'ils n'ont absolument pas rechigné sur les conditions. À aucun moment en fait, ils se sont demandé si ça pouvait être fait à un autre moment. Cette route dans la nuit, on a commencé à 22h, on y est resté jusqu'à 4h du mat. Et il n'y a pas eu une voiture qui est passée, il n'y a pas eu de pluie. Donc ouais, on a eu de la chance. Après, voilà, la voiture, je me suis dit, bon, bah, une voiture sur batterie, ça va tenir 3 heures. En fait, pas du tout. Une voiture sur batterie avec les phares qui sont allumés, ça tient même pas une heure. Donc là, c'était la grosse panique. On n'avait plus de voiture, on n'avait plus de phares. Donc heureusement que, voilà, c'est là aussi, on a une équipe, on a toujours des gens qui réagissent et disent, ah non, mais on va la redémarrer. Donc on redémarre la voiture à 2 heures du matin. Il y a eu quelques galères techniques, mais ils s'en sont à chaque fois très bien sortis et assez rapidement, quoi. L'appréhension que j'avais, moi, c'était qu'il fallait que je joue. Et je suis pas du tout acteur. Tu descends de la bagnole, là tu viens ici comme ça, et là tu viens vers moi, on va la jouer comme ça ici. Voilà, très bien. Là il était tout seul devant la caméra, c'était que du jeu. Il a pris sur lui, sur pas mal de choses, où je le poussais un petit peu, parce qu'il a des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Mais comment sauver ? Je suis pas acteur, mais je suis cascadeur. Ouais, on essaye de limiter le plus de dégâts, mais parfois, il y a des petits trucs, quoi. Mais... Courir dans les sous-bois, c'est une très mauvaise idée de faire ça la nuit. Dans l'eau, tu prends ta respiration, tu me fais juste ça. C'est souvent un challenge sur le clip de Rivière, c'est la première fois que je tourne dans l'eau. En fermant les yeux. Tu fermes les yeux, ouais. T'es à genoux dans l'eau. Au niveau visage, je suis quoi? Et tout est neutre. Tu trouves un moyen de te retrouver dans une piscine chauffée au mois de novembre pour faire les quelques images qu'on avait à faire. C'est beaucoup de démerdes. Vas-y, enfonce-toi dans l'eau, tu prends ta respiration. La lumière, c'est bien? Ouais. Ok, on y va. Allez. À la base, là où il y avait la route, on avait accès à une piscine. Mais c'était pas une piscine chauffée, quoi. Donc je me suis quand même dit à un moment donné, ouais, ça va pas durer longtemps. Et puis en fait, c'était juste improbable, c'était impossible. J'aurais juste eu un rivière congelé, quoi. Presque. Presque. Pas mal, hein. Je me limite à rien, bon, je m'emporte souvent parce que j'ai envie de faire honneur à la chanson et de la respecter et de susciter des émotions. Ça vaut le coup puisqu'on fait des images qui sont chouettes et ça reste cohérent avec la chanson. Pour le visuel de la pochette, je voulais que le paysage soit grandiose. Donc je suis en Bretagne, sur l'île aux lapins.
Je l'avais découvert quelques temps auparavant et ouais, il y avait une petite émotion qui était passée quoi, et qui s'était gravée dans mon souvenir. Et c'était assez évident aussi que ça allait être à cet endroit-là. Comme pour l'album, en fait, j'ai travaillé avec le photographe Mathieu Marcet. Comme l'homme canon, le personnage que j'incarnais sur le premier album, là, il y a eu cette idée d'homme en kilt sur des rochers. Avant de prendre les photos, je savais que l'EP allait s'appeler Dans la splendeur. Donc il y a toujours chez moi cette notion de fin du monde, de dernier homme, de nature qui reprend le pouvoir. Donc voilà, il y avait peut-être ça aussi, cette incarnation de cette énergie un peu absurde qu'ont les êtres humains à vouloir perdurer. Il y a quelque chose de beau dans cette démarche-là, mais il y a aussi une forme de vanité. Je suis très très content du résultat en fait, parce qu'à chaque fois, on est assez, je sais pas si on est connecté, mais en tout cas, il comprend très bien ce que je lui propose. C'était ça quoi, essayer de trouver en fait quelque chose de poétique, d'esthétique, qui mêle à la fois l'angoisse et la beauté. L'ensemble de ce qui a été créé pour cette EP est vraiment ce que j'attendais. Il a ce que je voulais en fait, un son singulier, un son qui me corresponde. Tout en fait, les personnes qui m'ont entouré et qui ont participé à ce projet ont su rendre palpable ce que j'avais imaginé quoi. En termes de réalisation et de concrétisation, une envie d'enfant. J'arrive enfin voilà, à obtenir quelque chose qui me plaît pleinement.